Aujourd'hui, place à la découverture du toit tant attendu. Et bien évidemment, c'est sous la pluie que ça se passe, en vous laissant apprécier la super tenue jaune du chef. On ne peut pas la louper. Bon bah maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est découverture du toit avec la remorque que je vous ai montré. Tuiles, chevrons et litho, tout à la benne. On va essayer de faire ça vite pendant qu'il pleut encore pas trop dehors. Et ça nous apportera un petit peu de lumière aussi. Très bien ça. Voilà, on voit même pas la remorque, mais en gros elle est juste sous le toit là. Et c'est là-bas qu'on se jette les tuiles. Alors on est en train d'aménager un peu l'espace pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, quoi. Pour se faire une petite chaîne et puis que ça aille un petit peu plus vite à 3. Sans pour autant que ça mouille. Pour l'instant c'est un peu de la brume. Ça mouillotte, mais c'est pas grand chose quoi. Le bonnet bleu là. Ah, petite toile d'araignée. Bonnet bleu impeccable. Step by step, tuile par tuile, et ça avance doucement. Bon, une bonne partie du boulot de fait déjà là avec ces bouts de toit découverts. Il ne reste plus que la partie du haut là avec les tuiles qui n'a pas encore été fait. Et puis tous les chevrons et litho encore à enlever, à dégager juste dans la trémie. On les récupérera un petit peu plus tard. Les tuiles quant à elles, elles vont directement dans la remorque en bas là. On offre ça à un agriculteur qui a besoin de remblai. Voilà, tout le monde y trouve son compte, c'est bien. Maintenant la pluie vient un petit peu interrompre notre partie de plaisir là. C'est un peu dommage, mais on va aller à la soupe là, tranquillement. En espérant que ça se calme juste après. Parce que jusque là on avait quand même assez de chance. On n'a pas eu beaucoup de pluie. Donc c'était plutôt sympa. Mais le temps ils annoncent moins sympa cet après-midi. Là, on finit de découvrir l'ensemble du pan là en s'arrêtant où on s'arrête au niveau des tuiles. Là, encore tout ça jusqu'au faîtage. Et puis après on s'attaque à ce pignon là.
coup, vous avez bien compris, il fallait enlever une épaisseur pour arriver à notre futur toit ici. Donc il y a à peu près un mètre à enlever. Heureusement qu'elle est là, la petite remorque. Sinon, je sais pas comment on aurait fait pour descendre tout ça. Un beau chanteur de toit là. Faut vraiment profiter de cette vue panoramique parce que vous aurez peut-être peu la chance de voir deux toits l'un sur l'autre. Bon, pas d'accalmie du coup. On va décider de bâcher notre bout de toit en construction là pour pas trop que ça prenne l'eau parce que même demain ils annoncent encore full pluie donc c'est pas la peine que les bouts de bois se gorgent d'eau. Ah oui, et niveau temps, la pluie ça date pas vraiment de ces jours. C'était cet été. On est vraiment en décalage par rapport à la réalité. Pour vous donner un ordre d'idée, elle date de fin juillet. Et encore une petite bande de chevrons juste là avec le tour pour les anciens. Et le changement de tenue pour le chef. Un beau imper jaune. Impeccable. En concordance avec les pannes. Grand ménage dans l'appartement, c'est bon, dans la pièce. Montre pas ça quand il pleut. C'est magnifique, avec un temps terrible. Petit tri sélectif des pierres. Ça va être pour potentiellement encore un petit mur en pierre apparente, comme on a déjà fait dans des vidéos précédentes, mais à d'autres endroits de la maison, donc plus au niveau du côté sud. Donc on s'en met quand même de côté, histoire de ne pas être en galère si on reviendrait à en faire un. Là, je ne sais pas trop encore dit ce que ça va être, mais en gros, ça va être la chambre de l'appartement du bas, avec un petit concept de bain qui se trouvera juste ici. Là, on ne se rend pas trop compte des espaces, mais potentiellement, il y a quand même assez d'espace pour une chambre, entre 9 et 12 mètres carrés. Ah, 80, je fais un 80, donc c'est un bon repère quand même. Nickel, ça touche. Sauf qu'il y aura quand même une couche d'isolant là entre les pannes intermédiaires. Donc il faut enlever à peu près une vingtaine de centimètres pour avoir la hauteur réelle. Donc ça on verra dans les années à venir, on va dire. Il y a encore du boulot d'ici là. Bon, puis maintenant, comme on n'a pas trop prévu de bosser demain, on va quand même bâcher histoire que ça mouille pas trop. Ça a déjà pas mal mouillé là, mais bon, on va éviter que ce soit un ruisseau, voire un lac, voire une mer. Bâcher un petit peu tout ça pour essayer de rejeter l'eau plus là-bas vers la sablière et directement dans la grange où il n'y a rien qui craint vraiment. Donc on va partir sur ça et puis je pense qu'on va arrêter la journée avec ce petit travail. Allez, zou. Mission terminée. On arrête là pour aujourd'hui. On revient très vite pour la suite. Une grosse bise à toutes et tous et à bientôt.